Voilà, bonjour, Topé, bonsoir, ça de pas du milieu ou de l'endroit, beaucoup l'andabissou en tout cas, peuple congolais, na actualité ou info expliquée, dengue toujours, tu es la cabine, dengue toujours, tu partages en abino, les actualités qui se passent, Nambokao, la République a démocratisé du Congo, Nenge boye bikuna, surprise des ans ratée, la surprise, Yamoulin les alliés, Bomoni, Fati Beton, à sa l'élection, na mutunaye à tribu, y a clan, Denis Kadima, et tout le bel yango presque, Mikolo, non surtout, à député au Babimikuna, Bazaba député Moko, nommé, d'ailleurs, image, depuis hier, les accos succulés, au Denis Kadima, Yemoko, Azako reconnaître, à nommer Batou. On me dit que ces journalistes, Asala Rababilo, quoi, YouTube, Azali nommé na nini na commune, ceux qui commune na nini na habité, représentant ya commune, ceux qui a limité, ceux qui a nini, ah non, Walobinanga salaire, ceux qui 500 dollars, ceux qui 250 dollars, ceux qui 2500 dollars, je ne sais pas aussi. Ceux qui parlent aux Zouango, na habité. Ah, la politique est à la rane, voilà. Abandi Mouké Mouké, bonne chance à lui. Alors, Bande Konangaï, alors qu'on est au Koué, Limba, Mbango, tout partagé, Nabino, Boutu Koyoka, Toto, Outu Komona, Aïmange, preuve à l'appui, l'AFC de Corneille Nanga, blague idée. Basaliku, tout communiqué, Moko, ya grave, avec beaucoup de précision, je vais lire cela pour vous. Et, bah, là, qui si, bah, image, bah, abattre. Ba drone, mi balé, ya Félix Antoine Tshilombo. Moko ba batre yango, na Frankuna, moussousou eye koko ya, na kote ya aérodrome, to aérodrome, ya Goma kuna, kote aérodrome, je pense, militaire, et bande yako sala atterrissage na yango, soki raté, soki pe nenge nini. Yango moko epeli moto kuna, donc, grave, pour Tshilombo somba ki, je crois, 3 ou 4, Asombagi 4 marque ba chinois alors mi balé koufi et tigali so ipega moko na ebité ngaye za pas si trop na RDC ba ebici tala makambo nzelo zo lingo memelango cela ne sera pas facile pour toi ya ko résoudre oh Kabila Kabila OK Kabila Kabila bon yo salaga sit yo zo za fati béton mutakolo bano lo kwazate sala totale. Élection peso sali, intronisation dans le royaume, et si basale lio, bon, si koyo, toujours tala kaka, toujours zera. Donc, tokome ko loba wana, tokolobe la position, ya opposition, nengeza ko kende, tokolobe la, en tout cas, ba divers mouki ezali ko le kanakati a RDC, et puis, tokolobe la aussi, n'est-ce pas, nani oyo kombo na e, Paul Kagame, a sali ba déclaration moko grave, va-t-on en guerre contre Antoine Tshilombo, Kagame a lobby Azali prêt à tout moment, il y a qu'au déclencher, ou Essengeli a la déclencher, Nakati a RDC et Azakobanga moutouté. Et puis Azana posa pété que Moutoumoko a pesa e autorisation pour Namakambo Oyoye, Essengeli a ça là, surtout ou Etali qu'au défendre Mbokanaye, toko défendre régime naye. Alors, voilà un peu de circonstances. Oyo, Ezali Koleka, Nakati, ya République a démocratisé du Congo. Processus électoral chaotique. Nenge Boutu Komona, aimé partager toujours. Nenge Bozala Ganabiti, Diakosala, Bande Kunangai. Mais, de surprise, n'est parce que Batwaza Koulobeleango, nous devons continuer aussi à en parler. Parce que, surprise, Ezali Koleka, Nakati, élection Oyo. Ils ont participé Mawaming. Je voulais, ici, avant d'entrer en profondeur, pour ne pas vous oublier, présenter, en tout cas, dans le là qui est na Facebook, Ndeko Fabien Kouswanika, qui est passé à la Moussala Makassi, malgré Mikolo, moi, tempête, il y a bougé, c'est un grand journaliste de la diaspora qui fait un bon travail. Malheureusement, il vient de perdre sa mère à Kinshasa. Bon, normalement, tant que perdre, être cher, bongo, on a ajo to kominango, même si tu es dans la Libanda, des fois, ils allaient très bien, aucun de quoi assister. On a finira, il y a Moutoulogo, la maman, papa, surtout. Et ça, vraiment très important. Bon,
Malheureusement, boyebi ke suite ya ba ma mission to sa ila rabino, suite à ma kambuto lobaka, suite nenge to donosaka, pas ko finga, mais nenge to denosaka, attitude ya régime ya Tshilombo, nakati ya Congo. Alors, pour eux, to kota na carnet rouge, to kota na carnet rouge, donc on ne peut pas mettre le pied là-bas. On reçoit des appels. Yo mkologo ya wa okumona, yo vanda na yoga kuna libela na libela banini tout ça. Bon. C'est ça la démocratie que l'UDPS a sa côté à biso. Ngai na zoa ba risque ya. Na zoa ba risque Félix Aebi. Ba risque nga na zoa. Ba mosus to ninga ko lobate parce que Nzambe ga muta Aebi pona makambu na bango po lelo ya komi na pouvoir ba. Nzela poni nzela na ya. Maito landa ebi sonos tu ezate, mais au moins, zala tana sans sabo moto. Kanisa bisiko uta. Banani basunga yon atango apasi. Mais bon. Na ebi te sogi papa ti sege la zala ki vivant. Alingaga zala na comportement pe loko la yamwa na nae. Azako la ki sa peple kongole. Donc, ndeko Fabien. Mwayani ya tamakolo na kin ezate. Pona ba emission na ye. Ba denosation na ye. Alors, l'enterrement, et comme ça, la manengwana. Pourquoi? Parce que la dictature, au Tolbaki, to bengana pa ya Kabila, to bengana pa ya Mobutu, s'est installée encore, na katia Congo, na régime chile gelou, fachi beton. Boloba, boloba te. Bokriye, bokriye te, soko mekika koloba. Mukamat, na evite na chiluba, soke gozalane ni nisusu. Pour na choye les alagi mukamate. Voilà, mais alors, mes sincères condoléances, Nandeko Fabien et toute la famille. Bon courage, Ndeko, Kolembate. Namakambango, Tozoko dénoncé. Nenge na bandai Kolobanabino. Surtout, Namakambo Italie élection. Je vous montre une vidéo. À Kinshasa, Bazako Kontele Bino. Ba député au Bazali nommé. Mais, grave année, Bazali la majorité. Ba député, ya Turbi Moko, Kasai. Ça fait mal. Ça fait mal. Dans un pays de 450 tini. Alors que to vivre bassin aboyé, il y a racisme, tokoki koloba, peuple congolais. Écoutez la vidéo et toko sa l'analyse après. Abani Malembe, Peter Kazadi, Mouluba, Augustin Kabuya, Mouluba, Kibuka, Mouluba te, Mouluba te, Mayo Jabodwe, Mouluba te, Maïnombe, Maïnombe, Botanga Toké Malembe. Kenda Muka Benjamin Mouluba Mouluba Pius Mwabilu Mouluba Eyana Mboyo Mungala Steve Mikai Mouluba Madia Mwamadorote Mouluba Ilanga Bakonga Mungala Nako continue Nako continue Nako continue Moulanga Tumba Mouluba S'il te plaît Mais vérité des urnes S'il te plaît Vérité des urnes en quoi Quel est ce député dans la législative passé au Tomonaga Zagi Pesipika soit IDPS? Si tu n'as pas Oh, mon agat a un projet de loi qui a participé. Ce cas à l'Italie. N'est-ce pas ce que Jean-Marc Kaboun nous a dit, Yamoto Komona? Parce que Jean-Marc Kaboun, Azali fils maison, c'est lui qui est le géniteur de l'Union sacrée. Ils avaient un plan. Il y a comme ça la nomination, il y a un député. Il a dit ça très haut. Il a procédé à 300, il a nommé 300 députés dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce que nous avons vu. Okay. Tu peux y croire Kinshasa, tu as vu pour les Kinshasa. Tu as dit 10 opposants. Tu as dit 10 candidats députés en opposition. Mais FCC. Voilà. La réalité du Congo yangwana, régime étilé gelou, bazako benga bato, to sangana, to zala bomoko, to bundela mboka, to sala unité, mais face au pouvoir, vous voyez comment on domine les uns. Et quand les autres en parlent plutôt bande konangai. Ils sont les premiers à se faire victimiser. Kolobake bolingi bisoté, waneza haine, waneza tribalisme. Mais voici le geste que Félix Tshisekedi à travers ces élections de tribus de clans à Salinakata Congo. Soka zalaki na bomoto, soka zalaki yetem tatindi yango, que Kadima salango Félix pouvait appeler Kadima pour lui dire bakambo Salinazana yango d'accord. Mais comme ils a plan na bango dominer les autres tribus, dominer d'autres provinces, alors batiki yango Ekende, nenge yango, ezako kende. Eza vraiment pas si pe mawatro. Mais vous avez vu, bino moko a partir ya Kinshasa, boyo ki témoignage, avant bisoto loba mingi, po batwazalaka toujours, oh bino bo lobaka, mais makambo bozo ko loba, ezali vérité te. C'est la vérité, oyo to lobaka, na bino awa, peuple congolais. Je vais, par exemple,
vous montrer nini makamango nenge sili na élection. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ezali ba tractation o ebandi na pouvoir wana ya Congo, pouvoir à Kinshasa ya Félix Tshisekedi. Ba tractation ebandi de gauche à droite. Ba tractation ya nini? Nani fois comme premier ministre sikoyo ya RDC. Lobby et où tu kolekawa. Moi, je vous ai montré image. Il y a Vital Kamerhe, Salibor Nabango. Salibor Nabango. Comme Babor Nabango, pour tout, Bazobe Naoni. Bazobe Naoni, ceux qui pack, ceux qui n'y ont pas habité. J'avais attendu la talent à Twitter, peut-être, na cause à Kombo Nango rapidement ici. Peuple congolais. Natala Pak Oyoyo Bango Baza Koloba Oyo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Bon, on peut dire Kamerhe, on peut dire aussi Félix Tshisekedi en même temps. Oyo Basali ba signé Nakati ya Congo RDC afin que ba avancer. Voilà. Alors, à peine le président Tshisekedi investit, s'ouvre la guerre de sa succession en 2028. Kamerhe ouvre le bal. Mais il ne faut pas oublier que l'UDPS, voilà. Yangoyo, Babina Ngaboy. Force la main du président de la République pour obtenir la primatie. Nous y voilà dans ce que dénonçait l'apôtre Roland Dalot dans sa prière au stade de Martyr. Nous ne dirons pas plus. Alors, Vital Kamerhe se met déjà dans la peau du primaturable et du dauphinant. Dauphinat plutôt de Fatih dès l'entame de son deuxième mandat. En créant le PCR, groupement au Kamerhe Outukosala, le PCR, l'enfant terrible de Walungu, transmet un message fort au présidium de l'Union Sacrée et surtout à Fatih lui-même. Je suis le dauphin, je peux consulter qui je veux et coaliser avec qui je souhaite. Voilà. Entre-temps, le parti présidentiel, à travers son secrétaire général, joue la diplomatie pour cacher les mécontentements des membres du présidium de l'Union Sacrée à la position actuelle de Kamerhe. Il y a fissure et c'est Kamerhe qui vient de signer l'arrêt des morts de l'Union Sacrée de la Nation. Il y a crainte que ce second mandat de Fatih tourne le dos aux questions de développement du pays et du bien-être du peuple meurtri, mais aux allures hein, d'une guerre de palais et de positionnement au sein de l'Union Sacrée, si Fatih ne fait pas taire des ambitions égoïstes de ses proches. Voilà, PCR, il y a Kamerhe, Botamikuna, lobby dans l'accès qui bino photo, dans l'accès bino vidéo, pour moi, on a qui tout ça. Parce que la primature, Na outu ya samaluko ndabi. Ah! Kamerhe, c'est un grand politicien, ya mouibi ya Congo. Ah! Alire makambezo kende. On dirait bato bani ba betanga chita sima. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, samaluko ndabi, bon ya tigala sima. Ye pa bimi si borne. Ah! Wenge pe. Congo, adre. Congo za phénomène moussous bande gonangay. Congo, to ha na phénomène moussous. Boze la nala ksamino. Samaloukonde, Boro ya créé. Alors, Zelano Natala, la Sabino Oyo, avant la Sabino ya Samaloukonde. Ah. O wana boza komona, eza banani. Zelana tangi la bino wana. Balobina bisoboye. Dislocation politique et crise totale au sein de l'Union Sacrée. L'ARP. ANB du ministre Guy Luando serait en route pour rejoindre le groupe de dissidents. Bahati, Bemba et Kabuya seraient tous désaccords. C'est la fin tragique de l'Union Sacrée, fouillée de la corruption. Moi, Bendana, Guy Luando, Kuna, Yake Oluka Kote, Bahati, Naba Bemba Bazali. Ah, nga Congo, le peuple attend d'autres choses. Mais kuna na naza ba bitumbe banina nuna na kokoma premier ministre na na kozala nommé ministre. Et de l'autre côté de s'ajouter à cela,
c'est qui comment s'appelle Sama Lukonde, il n'est pas créé Bornaï. Wengete, Jibem Pianabeti, Wenge BCBG, Wé Nakuna Boye Nabadolf, paf, Wenge Musique à Maison Mère. Eh? Ah, gaye. Voilà. Alors, regardez, Wé Basama Lukonde, Awa, peuple congolais. Wana Yé Basama Lukonde. Bornaban, on va me si Bornaban. Ah, yé, ma, mbou, on va vous dire, on va vous dire, on n'a pas besoin même de consulter le peuple, de savoir qu'est-ce que le peuple Azako Lukazako Senga. Bientôt, la sortie d'une autre plateforme, les 72 élus nationaux et près de 100 députés provinciaux, plateforme est dénommée Dynamique, Agissons et Bâtissons, en sigle DAB, du premier ministre Sama Lukonde, avec d'autres figures de proue comme Guy Luando de l'ARP, Moïndo Nzangi de AVRP, Fifi Masuka de A24, A25 et puis AN, Mayobo du Palou, Dandy Banza de ACO, Jean-Claude Kabongo et autres. Ceci intervient quelques heures après la sortie de la plateforme PCR Part pour un Congo retrouvé du Mwalimu Vital Kamere, Julien Paluku, Tony Kankou, Jean-Lucien Boussa, Batumona. Avec le plus de 150 députés nationaux de l'IDPS et sa mosaïque, 101 du PCR de Vital Kamerhe et les 72 de Sama Lukonde, la majorité parlementaire est largement dégagée. Vital Kamerhe, toujours incompris, mais on lui donne raison avec retard. Alors, bah on va le dire, déjà majeure majorité pour Koto Babimisi 72, Kamerhe Kuna Bimisaki Sogi 150, Sogi combien? Alors, donc, qui peut faire que Félix Tshisekedi dans une majorité pour abîmer sa gouvernement, Ndenge Bango Baza Koluka, Basale Layango, Naba poste peuple congolais. Triste, peu réalité. Où ils ont le Kana Congo pour le moment. Alors, pour calmer le jeu, n'est-ce pas, on a envoyé, comment s'appelle ce monsieur, Peter Augustin Kabuya plutôt, accueilli Kokutana Baba Tulukwebo. Parce que Union Sacré Koufi, donc ils en ont une là. Union Sacré on a peut-être eu bagarre d'abus depuis qu'là. Ils en ont une on a statuté, ils en ont une on a fondement de basité, ils en ont une on a eu le étiquette qui a battu ma candaïga n'engouana comme la politique du Congo ils en ont. Bon t'as la kabouya n'engazo calmé, bah vieux, bon ça la calme. Côté kuna ils ont quoi ils ont été bissons de tous en amasolo. Ah, regardez les choses qui se passent au Congo. Au lieu de consulter le peuple, et il commence à consulter et même comment voler l'argent de l'État. Dans un pays comme la RDC qui prône la démocratie et les valeurs républicaines, il n'est pas interdit à quiconque de réfléchir sur son avenir politique. Ceci demeure la position de Augustin Kabuya face à la création d'une nouvelle plateforme politique par certains membres de l'Union sacrée de la nation. Cependant, cette machine de l'Union sacrée continue à tourner. Ce mardi 23 janvier 2024, Augustin Kabuya, membre du Présidium et responsable de la famille politique du chef de l'État réélu Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré tour à tour d'abord le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, un autre membre du Présidium et responsable de son parti, le MLC. Ensuite, le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, lui aussi membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Encore une fois, jusqu'ici il n'y a pas danger, étant donné qu'il ne s'est pas révélé clairement un complot contre l'Union sacrée de la Nation. Cette plateforme politique est restée déterminée à travailler pour la réussite totale du deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Les dangers peuvent intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Enfin, se concerter entre élus pour parler de l'avenir de la méga plateforme politique
C'est aussi ça qui a fait l'essentiel des échanges nourris entre les députés nationaux élus massivement de l'UDPS Augustin Kabuya et son collègue Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Visiblement lucide, Mona Bouté a tenu à satisfaire jusqu'à la moindre curiosité des journalistes, soucié de savoir si le chef de l'État aurait déjà nommé l'informateur pour l'identification de la majorité ou pas. La réponse est non, mais il voudrait bien que ça soit au porte-parole du chef de l'État de le dire à la presse. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle que de répondre à cette question. Au bout d'une journée très chargée pour le patron de l'administration de l'UDPS, c'est par l'audience accordée au député fédéral et socialiste partisan chevronné d'une Europe de la Défense, André Flao, venu le féliciter pour avoir stabilisé le parti de Félix Tshisekedi, que l'activité de Augustin Kabuya pour ce mardi 23 janvier 2024 s'est clôturée. Voilà, peuple congolais, je pense que Binomo Boyoki, Bomoni Penaba Image. Donc il n'y a pas quelque chose de très sérieux à l'instant que les Congolais va causer là dans le régime de Félix Tshisekedi. Ça va être toujours le temps passé inutilement. Donc les gens ne se concentrent pas comment développer le Congo, comment changer des choses, comment réformer des choses. La situation est chaotique dans le pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Batubaza qu'on réfléchir en termes Nganabimaboye. Afin que na yiba na nga na vanda na nga ikimia. Comme l'état de droit n'existe que pour le petit peuple, bango ata yibi bako kangaye ba bimisi na bangoye. Voilà le pourquoi babandi déjà bitumba na bango. Aux yeux, aux vues de tous les Congolais, aussi de tous les Congolais. Bazo tala. Bazo mona ke bato ba outu kozala elu. Na ba pays ou tozali bien organisé. Mais le chef de l'état sa bimisi programme babandi ko sala makampo. Ba mesure comme déjà kozala appliquer. Ba ordonnance présidentielle les a déjà signées. Mais tel akuna na Congo, tu l'envoyais moko ta vanine na palais le présidentiel. Azota na match à Léopard. Ah, na bosana hier. Na ngena bosana. Entre parenthèses, match à Léopard, pe beta mi bino pe bolandi ango donc 0-0 donc. Ah, qui peut vraiment na ébité. Ba se qualifier na 8e de finale mais ah! Donc équipe va gagner match mokoté. Hein? Na ba phase de poule va gagner na match mokoté. Ah, na 8e de finale boy. To ça me la nzambe po. Équipe on est na monele ango. Na Tanzanie pe basali ka 0-0. Ah, évite total. Yo ka ba calculer ba congolais belé donc. Nzambe ka ayo ki libonde li penda po. Na Tanzanie 0-0. Ils a pas si trop na Léopard à Congo. Voilà. Donc je disais bato a tabo zeli bango. Espoir mon que zate pour na bino peuple. Bazo ya kosa ila mabumu na bango, ba famille na bango. Et puis ba famille na bango kimia. Talanonu, au lieu ba ba se focus, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit faire? Bango bazo se focus na bango, ngafuna zo grand parti ba ministre, ngafuna bimabuinga na bimabu. Ah! Bon, total là. Le roi la guerre se continue à union sacrée. Total abisike go soukala. Mais Kamer est déjà s'annoncé faire union sacrée. Donc, Koufi. Mais à toutes les. Et là, on peut s'en aller comprendre. Kamer a eu ça de l'autre côté. Ce qui est initiative et outil par Félix. Pour Félix, il y a une stratégie. Il y a une ruse. Au moins, il y a une autre chose qui dit Kamer et Aken de l'autre côté. Mais, il y a une autre chose qui dit. Il y a une bande déjà qui dit. Il y a une bande déjà qui dit. Il y a une bande consulté. Kamer a roulé col tombe magana tongote boy pa Fabius na l'initiative là on a et outil pas Félix. Qu'est-ce que Félix veut faire? Diviser pour mieux régner, diviser pour mieux contrôler. A pandi bango sukoyo allez attendre ba ko bunda ba ko welana yesu ko ko bima au top pour na ko calmer je à la bendi bino histoire pécile. Ils a passé comment na mbokoyo battitude de ma politicien n'engue tout ça n'a pas on a kata RDC. Alors maintenant point ezali ko choqué biso ezali makambo monsieur Cesar Koleka na parti est yamboka na biso RDC
Je crois que Bissonio se toujours dans des informations. N'engue un mois à collecter là. Mais avant aller cana na point wana, raison il ango mandambo. Alors na partie est à Congo, précisément na Masisi. Na éviter ceux qui osa déjà au courant que population azako kokima. Population azako s'est déplacée. Je ne sais pas le pourquoi. Mais bah ebisinga que il y a deux affrontements au Ezako Salama entre le Wazalendo et le Wazalendo et les M23 l'AFC de Konei Nanga. Les images en parlent et bah images tout simplement comment la population azako kima de gauche à droite makambo yo sengela ke zala déjà résolu to évolué mais tala Congo tozozonga sous na sima pour nanini il n'y a pas un état de droit. La démocratie n'est pas respectée, mais là-bas, c'est la démocratie de plus fort. Tshilombo est président, il a l'armée, il a la police. A modifié constitution, plutôt, a modifié, à ça, il y a eu le retour Kadima, dans la cour constitutionnelle. Nous sommes aussi Mbabiso Azate. Nous sommes des intouchables. Nous ne sommes pas au côté Azate. J'ai l'armée, j'ai la police, j'ai les services de sécurité, je peux faire tout ce que je veux. Alors, les mécontents, qu'est-ce qu'ils font? Bangona Bake Gonzela Minduki. C'est que nous n'avons pas aimé, nous ne souhaitons même pas. Mais on va dire comment. Quand vous voulez appliquer la loi du plus fort, le faible, parce que vous avez dit 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 que vous avez grave. Et la population a débandade. Débandade totale. Mais makambo yo tshilombo. Yo ya ki po o ramene pe. Mais nenge nini yo ye, insécurité za ko continue ko se multiplier na partie à est ya Congo. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Voici les images ici. Na comment peuple za ko déplacer na côté à Masisi za ko kima. Ah ngaye, nzambe asunga RDC, na population oyo, chaque jour victime kaka, victime, victime. Regardez la population de Mazaki. Des bandades du total. Maïd ici à Bazar au Kenyette. Tala, Mazoki Magara des bandades. Oh, ma rebelle, Bazoya. Oh, bon, ah, pour moi, mon père. J'ai passé. J'ai vraiment passé, mon père. Voilà. Côté Kuna na Masisi, makamunenge za ko salama. Je crois que bino pe bomoni comment le peuple a commune susu ko kima mambangu. Nous avons d'abord ba déplacé interne na kata mboka o to zoko ko soin na bangote et on vient encore de vouloir au lieu to calmer makamango. Ba lokola ba twali ngi ko respecter mi be côté démocratie te. Voilà les conséquences. Oyo ezakolanda mboka na biso lisusu awa peuple congolais. Alors, na parti yango lisusu, je dois d'abord vous annoncer première communiqué. La Tanzanie comme Burundi, on me signale ici que la présidente de la Tanzanie na kombo ya mwasi wana boyebie wa uteko kozana RDC lobia wana prestement ya serment ya Félix Tshisekedi. La Tanzanie décide de rapatrier tous les réfugiés rwandais, tutsi, vu ce qu'ils font en RDC et au Burundi. Ils prennent les armes contre les pays d'accueil. En outre, la Tanzanie note qu'ils se font déjà appeler Tanzaniens. Alors, il y a la vidéo. N'habitez ce qui vidéo parce que la femme Oyo ya Tanzanie, alobaramingi na Swahili, yé apena alobaramingi Swahili. Elle parle pas beaucoup l'anglais. Ouazali présidente de Tanzanie, elle remplaça Magufuli. Ya lobi ke, ba Rwanda ou Bazali na côté kuna pana bango. Koma déjà komi benga Bazali ba Tanzanien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le refouler. Alors ba refouler bango. Alors tous les Tanzaniens ba bima ba longwa na mboka na bango. Et maintenant, ce qui est frappant,
à Bengi Lissoussou. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais... Oh, je viens de voir mon frère Mike Mukebay. Et puis, à l'obique, malheureusement, bateau Bazali Kuna, peuple congolais, bah Rwandais, ou bah tout, bah Kota na Tanzanie depuis des années et des années, bah komi benga bah Tanzanien. Alors voilà le pourquoi. Yé, moi si wana, à l'obique na bango, bah quitter Tanzanie. Je peux vous montrer la vidéo, il y a déclaration là, pour que bino pe boyoka. Nenge bango bazu ba décision concernant cette affaire. Est-ce que RDC doit appliquer la même chose? Voilà. Lotupa la kufanya mchakato wa kuchambua wakimbizi hasa kutoka Burundi na DRC na kwingineko na kuona jinsi ya kuwarudisha. Tumefanya kazi hii kwa kiasi kikubwa kwa kushirikiana na lile shirika linaloshirika na wakimbizi duniani, lakini ukweli ni kwamba lile shirika nalo sasa limeishiwa nguvu. Limeishiwa nguvu, na kwa hiyo ule moto wa kurudisha wakimbizi kama walivyokuwa wakifanya umepungua. Kwa maana hiyo tutaendelea na mazungumzo ya kisiasa baina yetu na nchi jirani ili tuweze kuona njia bora za kurudisha wakimbizi wale. Na kama ulivyosema, wengine sio wakimbizi, wanaishi kama raia na wanajiona kama ni Watanzania. Kwa hiyo hili kama angalizo tumelichukua na tunakwenda kulifanyia kazi. Wito wangu ni kujimarisha kiteknolojia. Najua kuna gharama, lakini kama serikali tutaona nini cha kufanya. Voilà. Boyoki la présidente de la Tanzanie comme Auchi Koloba nenga Auchi ko s'exprimer concernant ba réfugiés rwandais oyo bazali ko vivre na Tanzanie. Alors pour elle ba komi ko zo ba nationalité bazui, bon, disons que bazui déjà ba nationalité, alors ils se font déjà appeler tanzaniens, alors tandis que ba yaki lokola ba réfugiés. Et par rapport à exemple ya Congo, République démocratique du Congo, na ya Rwanda, na plutôt ya Burundi, ndenge baza kozwa minduki pona ko agresser ba mboka wana de ndenge baza ko mikoma ba octotone na ba pays wana, et pourtant ça ba pays d'accueil. Alors il serait bien que bazonga na ba mboka na bango esika ba huta en majorité, surtout ba tuti oyo bakima ba mboka wana. Ba tendance ya ima empereur ou bien ima tuti ezali makasi kote wana, le Kenya, la Tanzanie, l'Uganda, tout côté on a tendance à makambouaner à la makasi mingi, et puis eux qu'on soit parti à y a RDC. Bon, je ne sais pas de motivation aux huit femmes oyo à zoba décision oyo a tu qu'on soit. Bon, en réalité ce que total y makambouzo les Kana Congo, tout le monde peut dire que nous ne sommes pas d'accord la façon dont Kagame a zako imposé la loi naï na kati ya sous région. La façon dont Azali ko suscité Babitumba ba crime moko odieux dans le pays voisin au Ezali à Rwanda. Alors qui on pouvait être de bons voisins et puis partager nos frontières, partager des échanges na ndenge moko ya bien, mais Kagame lui il veut imposer que tout le monde va obéir. C'est lui le nouveau empereur d'Afrique centrale. Alors, ce qu'on a dit, oui, nous tenons ce qu'on a dit, oui, ce qu'on a dit, non, bitumbe bandi nambo kanayo. Ça, c'est la Tanzanie qui vient de prendre les mesures. Mais ces mesures-là, est-ce que ça peut être applicable au Congo? Oyo, la Tanzanie, où tu conçois? Bon, je ne sais pas, bon, c'est vraiment trop compliqué, ça demande beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. Parce que vous savez, les choses-là, ce qui boke nango na loenge, ça risquera aussi de susciter des trucs. Il n'y a pas d'autre chose que ils allaient bientôt le bango dans les médias pour recouper sa intelligence. Voilà le pourquoi, avec la sagesse que nous avons, nous disons simplement au gouvernement congolais, l'exemple de la Tanzanie est un exemple malam. Mais nous devons aussi faire très attention de ne pas l'appliquer d'une manière où peut-être bango va appliquer les. Ça demande l'intelligence et la sagesse
pour appliquer et dire des mesures que la Tanzanie a outu qu'on soit à. Mais ça n'est normal. Là, il faut identifier. Est-ce que c'est tous les Tutsis qui sont dans ce système? Est-ce qu'il faut commencer à chaque individu qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce qu'il fait dans votre pays? Tout ça, c'est la manière à travers le service de renseignement pour identifier la mission de l'Akata Bambo Kanabino. C'est très important. La décision de la Tanzanie est peut-être efficace. Mais, je répète encore, il faut faire très attention. Parce qu'on peut aussi piéger le Congo. Parce que tout ce qui se passe là, on peut aussi piéger le Congo. Parce que là, la femme a parlé, mais on n'a pas encore des images. Oyo, bah réfugié en Abazobi, ma Tanzanie. Alors, vous allez appliquer cela. Na kanda o ba Congolais bazalaka nango surtout na batuana o nenge to yebeli bango kanda ba Congolais bazalaka nango. Quand vous allez appliquer ces méthodes là, les Congolais vont agir avec beaucoup de brutalité. Alors quand vous allez agir avec beaucoup de brutalité, conséquence, qui sera maintenant responsable? Donc nous devons vraiment utiliser la sagesse et l'intelligence de ne pas tomber sur ce piège. Ils allaient bien, méthode ouana bango basali, mais est-ce que pour nous Congolais, nous devons copier méthode au Tanzania zui ou ya sali? Alors voilà, ce sont des gens, des choses à vraiment réfléchir pour que toyeba kobi misambo kana biso na makambo yo toza ko traverser. Deuxième point, plus capital awa, ils allaient ba menace ya Paul Kagame. Kagame menace le régime. Surtout le régime de Kinshasa. Mais en quelque sorte, Kagame se sent un peu... C'est comme si le pays est belé, il y a côté, il y a Zali, surtout voisin. Donc, comme il y a un cercle, en quelque sorte, je peux dire. Comme il y a un cercle, il va faire tomber pour que le régime n'aille ici là. Est-ce que le plan des Américains? Est-ce que le plan de Britannique? Est-ce que les Américains ben, va lâcher? Est-ce que on ne sait pas. En tout cas, beaucoup, j'ai vu une réunion pour Anthony Blinken, même en Afrique, mais il a fait une réunion, une rencontre avec Kagame, où ils ont parlé du Congo, de l'Est du Congo, tout ça, tout ça. Le plan pour sortir ces contrées-là dans Nanga Kimia. Est-ce que Kagame a yoka qui est? Parce que ce qui Kagame Ayoka qui conseille Anthony Blinken, je ne pense pas qu'il y a qui contenu à propos Oya Tenaki. Je vais vous montrer, c'est en anglais, mais on va interpréter. Oya Tenaki dans la conférence de presse à Outeko Sala. Si on suit bien ses propos, c'est vraiment 20 ans en guerre. Il est prêt à tout. Si c'est pour embraser la sous-région, Kagame est prêt de le faire. Pour lui, il se voit déjà... qu'il doit protéger les Rwandais, parce qu'on n'attaque pas les Rwandais, mais protéger les intérêts du Rwanda, Oyo, Ye Asalela Bitumba depuis des années, Oye Zalina Katia Congo. Alors pour cela, il est prêt à tout. Prêt à tout, prêt à tout. Voilà le pourquoi, Azalaki na sommet Oyo, le président Kagame a déclaré mardi 23 janvier, donc hier, que son pays est prêt à affronter toute invasion extérieure et sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Pour Kagame, le régime Tshisekedi est comme un ballon qui peut éclater facilement avec un aiguille. Je vais vous laisser écouter d'abord les propos de Kagame. Oyo alobaki na conférence naye a Outeko tenir na bisika oyo azalaki. C'était hier le 23 janvier. Écoutez Kagame. Voilà. Toyo kaye a. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to help, I don't need permission from anybody. Ça n'a pas sa permission. Il y a un pays qui a souffert trop longtemps.
na difficulté to do what we have to do oh, to sala, protect ourselves. Ezali responsabilité na biso moko. I will say it. Na kosoba lisusu. Daylight. Na ulwana mania mo direct. I have said it to those who matter in this problem. Na bato nyoso bazana kata problem oyo. It's going to happen. You go home, sleep. You know, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this country of ours. If it, anybody attempts, Oh, I come here. So, nimugatinye bitumbaraye. No, akotina kina Rwanda. Sometimes birimo busa. Haba harimo mwuka. Mwuka, you know, a balloon. Donc, alors, je pense à ce exemple, le régime de Félix Tshisekedi. Ils ont le ballon. Donc, ils ont le ballon. À tout moment le régime de Félix Tshisekedi. Ça, c'est l'exemple de Paul Kagame. Le président Paul Kagame a déclaré mardi 23 janvier que son pays est prêt à affronter toute invasion extérieure et sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Pour Kagame, le régime Tshisekedi est comme un ballon qui peut éclater facilement avec une aiguille. Ah, Yewana, Alobi. Bon, les escarmouches Tshisekedi, ce qui est préparé, tu es bitté. Now there comes the Kagame. Eastern Congo Boyokai. Conflict as such. One, you try to do some research, do some inquiries, you do some intelligence. Rwanda did not in any way create this war that is happening in Eastern Congo. No, Rwanda has never created a problem in Congo. You I'm giving you a fact, go and investigate and prove me wrong. Rwanda never. Rwanda n'a jamais cherché le problème avec le Congo. This fighting that. Surtout na bitumba wo ezako leka na kata RDC. Has happened in Eastern Congo. Na Est ya Congo. But. Mais. With the time. Avec le temps. There has been an effort. Ezaki na before. To actually make it our war. Oui, comme we are the ones who started it. Over time, this is what has happened. Now, using what? Une aiguille, pas une aiguille. If you see the combination of hate speech and the displacement of these people, you come to understand what actually was behind it. Maybe somebody thought they were being smart, and they thought that was the end, the way to end the M23 problem, which was there in 2012, by because there is ethnic cleansing. Bon. Pushing voilà, these Tutsis qui explique que les choses qui se passent au Congo, ils allaient comme sous n'ont pas utilisé un côté. Bon, je crois l'essentiel, c'est là qui est très important pour que Bishop Bruno Tube Boyoka. Yango on a pas une explication. Kagame toujours avec théorie naïe, aza qu'on explique le réalité où ils en ont est à Congo. Et pour lui, pour finir cela, ça demande le dialogue, ça demande l'intégration de ces gens-là. Mais plus loin, on sait que l'idée de Kagame, c'est de créer un État dans l'Est à Congo. D'ailleurs, quand je parle de ces choses, mes frères et sœurs, quand je parle de ces choses,
Je ne sais pas si vous avez suivi le communiqué depuis hier. Il y a battu un membre M23. Oh, Bahouti Kosala, Bahouti déjà qu'on nommé, on peut dire comme ça. Bateau bah, qu'on dirigeait, bah territoire. Oh, yo, Bango Bazali qu'on contrôlait. Je sais pas si vous avez déjà lu cela. Parce que au Congo, les gens, des fois, minimisent un peu le chose. Bato bazako minimiser, bazako minimiser ma kambebele. Bazako ye bate réalité ni nezako kente. Le M23 vient de nommer, s'il vous plaît, peuple congolais, deux gens pour diriger Bounanganda. Bounanganda, le commune, na ba, na ebite soitobe na bango ba, ba bourgmestre, ba nani, oyo M23 a nommé. Nana zo kontole ango, le monsieur soit ben akomba bishimiwa, yene moto. À surveiller. Vous pouvez voir ces documents. Preuve à l'appui, il y a M23, oh, il y a Outiko Sala na Bounanganda. Bah, nommez déjà bah, les gens qui vont contrôler ces territoires. Entre-temps, à Kinshasa, na Outiko Laksabino, le politicien congolais se bat encore pour savoir qui va contrôler qui et qui sera qui dans le gouvernement Zakoya. Mais de l'autre côté, le M23 procède déjà dans la nomination à ma territoire, à ma chef à ma territoire. C'est-à-dire l'administration là, là-bas, de ce coin-là, c'est maintenant géré par eux. Et si vous regardez très bien, avec Makambo et Félix Abandé, Escarmouche, Elokoboy, maintenant le M23, comme nous sommes déjà, on peut dire peut-être incapables, avec le FARDC, il y a qu'on récupérer ma territoire, wana. Qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir? Maintenant, bah, toi, on a commis déjà dans le point Oyo, administration, et dans ma boko na bango. C'est déjà comme ici, le début d'un pays. C'est déjà un début d'un pays là-bas. Bah, Congolais, bah, ça focus na match. Bah, Congolais, bah, ça focus qui a gagné, qui est ministre, qui, Chilombokuna, qui vient de faire le tribalisme avec le gouvernement Outiko Bimisa, avec le député nommé du Kassai partout. Mais l'autre côté là-bas, le pays est à Kokatana. Pays à Kokatana. Ils ont participé à Mawatro, mais je ne sais pas quand est-ce que nous allons se réveiller pour comprendre les choses de Zakoleka. Nakata Congo, mes frères. Ouvrons les yeux, parce que le pire est Zakoya Nakata Congo. Bon, je voulais aussi dire une chose. Parce que, Namakambo, Nazakolak Sabino, ce qui Bozalina Nukoye Bate, Bande Konangai, je dois quand même vous signaler que le FARDC, avec y compris, je ne sais pas si la force de la SADC était avec eux, mais avec ses alliés et le mercenaire, au Bazakosa, la front à côté, il y a parti Est et à Congo, ils ont mené des attaques. Aussitôt Félix Tshisekedi dit, relu, soi-disant relu, alors, Abandi Batak Naï, contre ses membres du groupe M23. Mais, étonnant en est, babino ko tout yaza ko sala, aza ko mesurer ma conséquence ta yangote, et aza ko mesurer pe, ni ne ko yu ko ye la, kongote so ki ba sali ango ma be. Mes frères, je dois d'abord commencer à vous dire, Christian Tshiwewe était déjà suspendu, je ne sais pas il y a combien de mois. Tshilomba Longo la Christian Tshiwewe, na fonctionne en tant que chef d'état-major. Il est remplacé, on peut dire formellement, hein, mais tous la confirmation qu'à la minute, par Frank Ntumba Ouazala qui est dans la maison militaire. Il est même remplacé Christian Tshiwewe. Preuve à neuf, toutes les manœuvres qui se font. Et si on a le Christian Tshiwewe, Tshilomba Outu qui a prêté serment dans le stade des martyrs, vous avez vu Christian Tshiwewe. Bomoni Tshiwewe Ouazala qui, dans la manœuvre, on a tout. Est-ce que bozo mona tchiwe et plutôt tchiwewe na ba manœuvre tu ya armé mikolo aza le susuté? Pourquoi? Parce que Félix a suspendu qui est. Au moment où je vous parle, je peux même aller plus loin que Christian Tshiwewe aza na résidence surveillée. Et il n'est pas le seul de s'ajouter à cela. Tango fort, il n'est pas continaliste. Il y a bateau, il y a suspendu. Le FARDC existe que de nom aujourd'hui. FARDC, armée à Congo. Pour le moment, c'est très
armée ya Kombo ya Pamba. En réalité, en soi, est comme une coquille vide. Donnons le FADC matin en puissance. Il n'y a rien qui est monté en puissance. Prévané. Qu'est-ce qui se passe au front? Et d'ailleurs, on ne sait pas qui commande cette armée aujourd'hui. Qui est le chef d'état-major? Qui commande l'armée congolaise? Qui prend des décisions pour l'armée congolaise? Là-bas, on voit l'armée est appuyée par des groupes rebelles. Mais ça, c'est le désordre total. Désordre qu'on n'a jamais vu. Et l'armée congolaise appuyée, le Wazalendo qui fait un combat. Poutine a vu les conséquences. Il y a un petit pyrogène, toujours à compter à l'Ukraine. Qu'est-ce que Poutine a fait? A répatrié Bango, a joué un vrai militaire. On va faire la front. Bango de Bazo, ça la frontière de l'Ukraine. Mais Bisso, les Congolais, tout va bien. Non, les Wazalendo, ils ont espéré. Bango va vivre au Rwanda, on a bien aussi sa guerre. Les réseaux de gagner. Rien du tout. Et où est le chef de l'État? Rien du tout. Où est le chef d'État-major? On ne sait pas s'il est où, où il est qui. Mais bon, gagner Bitumba, on a des ordres. Bon. Même pas un plan. Grave maintenant. Le front qui sont partis attaquer les colonels Nanga là-bas. Pour bah, récupérer bah, Biloko Nanga Botolaki. Oh! Je sais pas, c'est regrettable pour le Congo, mais c'est vraiment une honte pour nous-mêmes. Makenda qui basali batake, basali batake peuple congolais, mais au retour, batake tout basala qui est soldé dans un échec grave et le M23 a récupéré Babilo qu'on a vendu en surtout. Ba drone na bango ba kenda kikuna po na ba bunda bitumba nango M23 a récupéré a écrasé donne ya drone ya FARDC ba écrasé ya ah Congo ah Mobutu ata kutu kabila ngo pa koma yibo ete voilà ba drone yango yo tout ekei mais nyoso tu oyo foti ya nani. Comment tu peux faire la guerre et tu ne sais pas comment le préparer? Je vais vous faire écouter d'abord le témoignage. Il y a Nenge va battre ma drone, il y a RDC, Oyo et Kendaki na front contre le membre du M23. Écoutez les témoignages ici. Nous sommes venus vous voir parce que nous avons entendu dire que vous avez abattu un drone de la coalition. Qu'en est-il de cette situation? Ah, merci monsieur le journaliste pour cette question. Tout le monde entier en avait parlé, tous les journalistes, les médias du monde entier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, c'est une preuve dont nous allons vous montrer. Mm-hmm. Le président Tshisekedi a refusé la voie de dialogue. Mm. Quand bien même le M23, nous voulons le dialogue, il a refusé. Et pour remplir bien son agenda, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé acheter des drones pour exterminer les M23. Quand bien même les leaders régionaux lui ont demandé qu'il y ait le dialogue, on nous a demandé de tout faire, les cesser les faits, nous avons respecté. De se retirer, nous sommes retirés dans certains milliers. Mais il a tout refusé. Même la communauté internationale, il a refusé, il a minimisé tout le monde. Croyant que s'ils achètent des drones, ils doivent exterminer le M23 sur cette terre. Et malheureusement, messieurs les journalistes, comme vous voyez, ces drones tuent même la population civile. Ah bon? Bombardent la population civile. Ils ont bombardé les écoles, les hôpitaux. Donc, je vais vous montrer, c'est lui qui a abattu ces drones. Il s'appelle le colonel Rapide Thomas. C'est lui qui dirige l'Axo Kibumba. C'est lui qui a bâti ces drones-là, dont vous avez tant écouté. C'est ça? Il doit vous montrer même les écrits qui sont là. Vous voyez, ces drones-là, les experts comprennent parfaitement bien. En tout cas, c'est lui qui a abattu ces drones CH4. Alors, qu'est-ce que nous allons dire, messieurs? Voyez-vous-même, ces engins tuent la population civile, des écoles, des hôpitaux, ils bombardent tout. Donc,
pour remplir ses agendas génocideurs. Facile, il a acheté ces 3 drones, ces H4, dont vous voyez. Il avait acheté 3. Nous avons abattu un drone. Donc, le colonel rapide a abattu un drone et ça reste 2. Et s'ils viennent avec ça, nous allons les abattre. Les 2, nous allons les abattre. Merci beaucoup. Par rapport à cela aussi, nous avons entendu que la MONUSCO aide le FARDC pour leur donner des informations par rapport à leurs drones qui recueillent en fait des informations dans votre zone qui est sous votre contrôle. Bien sûr, qu'en est-il de cette situation? Bien sûr, vous avez raison, monsieur le président. Vous avez parfaitement raison. Mais c'est ça, nous mettons en garde la MONUSCO. Là, nous sommes clairs et véridiques. Nous mettons en garde la MONUSCO contre cette attitude. Puisque c'est leur drone de surveillance donne les informations, les activités. Pour faire quoi? Pour aider cette coalition à remplir leur objectif génocidaire et meurtrier. Donc, sur cela, nous les mettons en garde. Nous n'avons rien à faire encore. C'est-à-dire, là maintenant, on nous met dans quelle position? Il faut que nous puissions nous défendre. Et nous défendre valablement et défendre la population. Voilà. Boyoki Batuya M23, ba drone nyo so Félix Tshisekedi sombaki mususu pe uti ko tombe lisusu o e tombaki ba bi e tombe pembeni ya aérodrome soki pembeni ya aéroport. Je peux vous montrer cela après o nanza ko laksabino. Ba qu'est-ce qu'on nous dit ici o chaloué alobi la piste d'eau armada aérienne du fosseur Tshilombo détruite. Le pouvoir tribal illégitime de Tshilombo et consorts sera balayé. Nous appliquons déjà l'article 64 de la Constitution. Nous rendons hommage à nos veillants frères de FARDC, officiers qui ont compris dans quel camp se ranger. Notre combat est populaire, constitutionnel et patriotique. Nous demandons aux mercenaires de quitter le territoire congolais avec l'aide de Dieu. Nos combattants contrôlent désormais les ciels et la terre. Seule la lutte libère, la patrie ou la mort. Wana Adam Chaloué Oyo Bazalina Corneille Nanga Mutakumi message wana peuple congolais balobi bazoko contrôler likolo penacé à partir ya lelo donc biloko tout Oyo Félix Tshisekedi la ça je peux pas vous montrer ba image mususu ya bibembe ya ba FARDC bazako la kisa mais je peux vous montrer petit drone Oyo balobi koyi côté ya aéroport wana voilà wana bazako mona balobi koyi côté kuna na aéroport côté ya Goma wana drone ami balé koyi kuna. Donc deux drones abattus, peuple congolais triste comme réalité au Congo. Voilà, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que nous étions préparés pour faire ce front là au moment où je vous parle même, parce que c'est très urgent au moment où je vous parle maintenant là. Moment où on nous signale ça c'est sur Radio Okapi. Radio Okapi signale déjà la Radio Okapi ne veut pas admettre que le média mouyaïste ont induit une erreur. Le FARDC n'ont pas occupé Mweso une seule seconde. Voilà. Mweso selon Radio Okapi ezali na maboko ya il y a M23, bah, où tu peux récupérer les sous-sous Mweso. Masisi, le FARDC abandonne Mweso et replie à Bukama. FARDC a longué na Mweso et a zongi na Bukama. Voilà la situation. Oyo, ezakoleka lelo nakati ya Congo. Donc, pour les gens de Corneille Nanga, bazako avancé et selon des informations à Moussous Tosui, ils sont déjà presque à Goma. Ils sont déjà presque à Goma. Ba koti koti na ba koi Moussousou pour que Goma on ait e kouya. Donc, on dit que Félix Tshisekedi Mangungu, toi, c'est là qui n'a pas interview dans Top Congo, ils arrivent dans l'autre côté. Là, maintenant, ils voulaient forcer la main. On l'attendit échec. À son bagi, ce qui 2 drones, ce qui 3 drones, ce qui 4 drones, na Chine, mi balé déjà koufi. Et tu as mis balé, ou baloba qui est bon, qui cornaï nanga, yango wana mi balé koufi, suko et tu as mis balé, ce qui yango pego kene na combat le souto ebite. Mais on ne peut pas faire un combat avec un amateur à la tête du pays. Et puis, attendre d'avoir de réussite. Non!
Et puis, problème au Congo, j'explique et je répète. Tant que Félix, la façon dont, premier mandat, il n'a pas gagné l'élection présidentielle, il a été nommé président de la République et s'impose par la force. Deuxième, il a commis président un mandat. C'est par la fraude électorale bien organisée par le clan, la tribu, où il a commis Siéwana. Mais il y a des mécontentements. C'est ça que peut-être l'Afrique du Sud doit tirer très attention. Il y a des mécontentements de voir Félix à la tête du pays. Même les États-Unis et d'autres pays, et Seigneur va s'attendre à Yango. Les Occidentaux, ce qui vient de se passer au Congo avec Félix Tshisekedi comme élection, ça ne va pas calmer les choses dans le pays. Et qu'on calme Makambouté. C'est à eux, Colette Breckman, à Komeleki Bango, information à Mounene, à Ebisi Bamindele, activer la diplomatie pour calmer le jeu là-bas au Congo. Parce que à Liro, Félix, à Saleli, élection, hein, non? Le pays là va s'embraser. Et quand cela va s'embraser, ça risque de toucher la sous-région. Le Lobozo, la Tanzanie, qu'on a refoulé par Rwanda, Burundi, qu'on a soki nengenini. Ça risque, kaka lenge makambezo kendeboué. Papa, Burundi, qu'on a Rwanda, qu'on a elle, Kenya, kote, Uganda, région Mobimba, et continue à problème. Alors, c'est vraiment très important de comprendre les choses Oyo. Eza ko le kanakati ya mboka wana peuple congolais parce que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave bande konangai. C'est vraiment grave. Mais bon, qu'est-ce que nous allons dire encore de très sérieux par rapport à la situation Oyo? Alors, voyons voir qu'on est nanga kuna le bia buki biloka chulombo. Ah nga Félix. Mawatro, ozo kende bitumba prepara ki na yo teme mawatro kaka mangungwe mbele ya pamba. Ah! Et puis côté ya mboka awa, on nous signale que muyibi mobe uchu ko salama na côté ya Kasai kuna. C'est grave. Muyibi mobe salami na Kasai kuna c'est vraiment grave. O boza komona na Twitter wana. Ba signaler biso nini awa na Twitter wana. Babina Bissoke, des militaires de FARDC commis à la sécurisation de l'usine de la société Anoui Congo d'investissement minier, SACIM, dans la province du Kasaï oriental, ont désarmé le personnel de la dite société le lundi dernier et ont emporté toute la production du jour et les coffres contenant plusieurs pièces de diamants. Donc, deux militaires de FARDC, colère et l'équipe à salaire des athées. Alors, colère l'équipe Bango. Et là, on a une basali. Et là, on a une basali, peuple congolais. Basali nini. Yibi, ba diamant tout. Ba talika société, on a vu. Bisou, mon père, tu as garde militaire. Nini, tu as là. Bendiga ba diamant wana pa bakenango porté disparu aussi bazomona na te deux militaires ba yibi biloko tuna mbongo tuna biloko tu bakangi ba tutu bazaliki wana ba lingilingi bango basinga bakenango Congo RDC Fachibe to ngahie deuxième mandat oyo ngahie na ebite. Ce qui va se passer dans ces pays, ce qui est aux alentours. Il y a un de comment on signe la vidéo. On y passe à Tarambo Kabaninga, Nengenini aéroport na Bangui Zali. Bon comparer en haut, na aéroport Yanjili. Bon mon la différence. Regardez. Ngai. Bota la Nengen Ethiopia Airlines à comprendre l'urgence du cargo. Baye kobeta, za kobeta cargo ya Nengen. Basali même modification batonyango na ngomba pour confirmer que chez Ethiopian Airlines tala moko ya wana ezako kita moko ezako kita voilà yewa ezako kita donc voilà c'est pour vous dire que on est en plein aéroport tala ndenge bango ba comprendre cargo bazako beta cargo ya munene na Afrique mobimba
Et puis, terrain na bango eza mwa ngomba, mais tala ndenge basali modification, ya cargo na bango mwa ngomba, mais ba bongisi yango, et puis ba planir yango, pour na ko estendre cargo na bango. Awe ezali ba équipement oyo, biso to tcheli bango. Ndebo moni wana, to tcheli bango, eza ba bengo nangle power roller, pour ceux qui biloko ko lia na bango ye, et kota, et kende nanda kwa malili, pour la distribution, il y a biloko ko lia, il y a ba convoi, ainsi de suite. Tala ba ninga oyo ba comprendre. Oyo Philippe pasa ko lela tongo, midi pourquoi. Bango koutou baza na banzela, bango koutou, bazali, na infrastructure oyo ba fandi si, mais ba comprendre urgence ya cargo, tala ninga ba investir. Pona kotonga cargo ya munene en Afrique. Voilà Ethiopia Airlines. Nala ouais. Sabino quand même na quartier lo nini basali. Ngana zo senga kutu basala manuel. Basala bosala to sala automatique té. Mais ya bango basali automatique. Na système to zo benga ETV. Na zo kota na kati. Lokola eza na ngomba. Soki bokoti awa storage na bango. Et qui t'a rassuré qu'il y a ce qu'on a c'est. T'as la biloko tu tiens bande koro va comprendre. Hein? Bande koro va comprendre importance. Il y a storage à cargo. T'as la biloko tu tiens li batoyo. Oh le lo na en Éthiopie. Na sale la bango, na la kisa bango fonctionnellement. Awa pour na storage ya bango, ya biwa ko lia pour na distribution, ya place nyoso ba ko kende. Bande ko nangai. Toloba, toloba te. Naganga, naganga te. Le Congo, on a besoin des urgences pour distribuer la nourriture dans nos provinces parce que le Congo est enclavé. Les routes prendra du temps, mais ça demande juste 4 km de pistes d'atterrissage, storage manuel, cantine publique, centre frigorifique. Okomo Kabula Blo Akulia Congo Balier. Je parle avec des pragmatismes. La paix sera formalité. Et aujourd'hui, je suis à l'Éthiopie pour nous couper sa bonne formation. Dans la ligne, on va comprendre. Et bon, on va Maïele, on va se couper sa bonne formation. On va se couper sa banane. On va se bénéficier de Maïele et de Bisso. Mais Bisso, on va se bénéficier. C'était votre frère. Philippe Moussangilaï Kubila. L'homme du Qatar. Voilà. En direct. Yéwana a passé un témoignage. Ce qui Félix Éthiopie a dit ça. Que Dieu vous bénisse. Bata Félix Tshisekedi balandaka Congo États-Unis TV baza ebele awa soki ba omona video oyo ndeko apesi soki ba ko bengisa ye na Congo aya ko intervenir pour na ba aider Congo wana kozala malamu olebo zwa kambongo mobimba ya l'état bosala na ngo kaka ku ba intronisation lokola bazwa ko introduire roi na kata royaume il serait mieux il serait important ya kosala ta makambo ndeko asali pona pays oyo ya Ethiopia nga na bisemino Tanzanie nzoka ndezala ki na Ethiopia tala kongole mta ke ko ide bang bon on verra soki ba ko bengisa ye soki pe ba ko bengisa ete soki makamba lobi eza vrai ba beka ko sale ba test oui ou non alors ndenge na uchi ko ebisa bino awa peuple congolais je vais vous montrer l'image ya drone ya Félix Tshisekedi oyo eziki ke ba beti yango ba ni balé a des drones ziki kuna bo ah ngai armé mo bimba chef d'état major a sauté ah ga Félix pati beto abomine armé wana tala yango tabo tala drone no ziki mususu yango M23 des drones tu lombe ziki no tala des drones ya chulo muziki na ngona muziki na hey mawa ba drone mi ba leziki na eziki na ngo eziki na ngo eziki na ngo ah ngai Felix mawa tro peuple congolais mawa tro alors on est connait na kozo bino pena tante c'était vraiment très important pour partager info oyo ndenge na singe na bino ko partager na bino yango mais avant de clôturer n'est-ce pas direct na biso oyo na lingi na la kisabino avant la kisabino point wana
Non, le mandat de Mboka est très important pour surtout na bato bazana na libanda ya mboka awa. Vous savez, je ne sais pas si je suis seul, le seul personne qui a compris qu'est-ce que le monde extérieur, qui a compris qu'est-ce que le comment le système ya mboka awa to vandeza ko fonctionner et pourquoi pas appliquer cela chez nous au Congo. Vous venez aux États-Unis, il y a beaucoup, il y a de la diversité à tel point vous vous posez des questions, mais bato ba vivra nene. Mais pour l'intérêt de la nation, baza ko avancer mboka na bango. Mais en RDC, en RDC Congo, mes frères et sœurs, boyo ko mona ta l'élection au nenge salami. On a commencé à choisir les gens en regardant dans la peau. Batali Moïse Katumbi, oye aza mupaya, aza congolete, nyosu, nana memi discours wana, Félix na Jean-Pierre. Na racine ya bemba, ye moko paza 100% congolete. Mais pona ko yinda baninga, babemi discours ya haine. Il y a racisme na kata pays. Bo talaye, yaza congolete, talaye, talaye. Mais je vous montre seulement l'exemple. Il y a au moins la comment diversité et ça la kakemboka est avancé sous tout ce boebi ko ko sale la yango. Équipe nationale ya Léopard, ya RDC, ils ont remis ta match non na na Tanzanie. Je vous montre l'image ici. Regardez les joueurs là, où Azali Pemen y a le gardien y a Maroc. Ce mot à l'image, il y a un regardez bien ce joueur. Bobendé na Pemen. Ce mot à l'époque, Moïse Katumbi, mot à l'époque, à Mouto, joueur à Zobet en équipe nationale. Kokani. Pourquoi nous pouvons être si tribal, si racisme comme ça envers nos frères nous-mêmes? Tala mwana oyo awe ko vanina potoa asa mwana botali monier abotama na Congo joueur wana beteli équipe nationale abotama na Congo abotama na RDC na mboka na bino soit son père ou sa mère est congolaise ou soit son père est congolais mais cet enfant papa na yobe mama na yakoza pe mundele mais côté moko ya papa na ye nde ekoza la congolais mutu mwindu pe le congolais ou congolaise ya noir. Mais à Balani, na Mundele, ya moi si tu as mobile, baboti moi na oyo. Na poto, abotami na Congote, na poto. Tu pouvais rester pour lui en Europe. Vous avez vu que ce joueur, il moule le maillot pour vous, pour la RDC, la nation. Il pouvait rester. Mais, Abi, oh non, Ezamboka, pour l'instant, il considère le Congo comme son pays, non? Ce que moi, ce qui lobby, a une ambition politique, a comme président RDC, bino ba congolais boko boya, a ça des pères et des mères. Donc, a ça des pères et des mères, pour nous mettre bino balé. A gagné cette équipe, na bino bino sepela. Mais ce qui a une ambition pour bongisa, bisika zo mona mabe, te yoko bongisa, te po yoza des pères et des mères. C'est ce qu'on appelle par le racisme, le tribalisme, koutoumoussous, mais le racisme. C'est pas bien dans le pays. On ne peut pas avancer le Congo. Ce qui te commune un esprit, il y a qu'on l'inga qu'on intégrer Batumusus Nakati Yamboka. On a ce. C'est-à-dire, si vous prenez d'abord Félix Tshisekedi, d'abord pour faire intégrer Bato Bazane couleur, il y a Pomoko. Parce que Batouana Bazaba Ngala, Bazaba Congo, Bazaba Shwahili, a l'ingi qu'on travaille na Bangote. Preuve année bomoni na députation bomoni na ba nomination qu'est-ce que Félix vient de faire à la qui pena que non je suis tribal mutukuti ya pona nga ya couleur nzoto nga aza ko linga ko sentir yete po aza mukongo aza mungala ya lingi kaka za muluba lokola e po considérer ce ko mutonde ngona Félix est-ce qu'a ko intégrer ba congolais tout ensemble. Parce qu'il est congolais, ce n'est pas simplement ce que vous voyez dans le pays. Il y a des Congolais, Babotami na Poto. Ce botali Didier Boudimbo, wana. Il est peut-être 100% congolais. Papa n'est pas maman, n'est pas congolais. Ceux qui sont plus loin,
Et il y a beaucoup de gens au bazar qu'on a baba métis na Congo. Pourquoi pas les intégrer? Pourquoi on va commencer à se haïr entre nous? Mutaye na ide na ye. Olebo yoka na ide ni na ye nango. Bino gamba moko te ye te pona nini poza couleur nzoto na yote. On va pas, on peut pas avancer le pays comme ça. Monde za ko évoluer mes frères. Surtout elo ke sala nga pasi mingiawa ezala ka batwa diaspora. Bana diaspora, ça me fait mal. Mutavani na poto me azo ba de père et de mère. Mutavani na poto azo ba de père et de mère. Oh, franchement, yo pende vani na poto zo magamba de père et de mère. Sous le maillot de père et de mère, faut que vannes na Congo, non? Parce que de père et de mère, faut vivre chez toi. Là où tu vis, là, c'est pas chez toi. Regardez le pays que nous autoya, comment diversité. Mais je vous dis, venez aux États-Unis. Vous allez voir, c'est vrai. Tolobite, c'est parfait. 100% parfait. Mais vous allez voir comment la diversité est salakaawa pour faire progresser le pays. Ils ont eu un président noir. La seule raison, Obama, comment dit président, parce qu'il est né ici. Il est né aux États-Unis. Il est devenu président. Son père n'était pas même américain. Un simple président Kenya qui est autant en États-Unis. Président noir. Oh non, parce que Obama on est là qui va mander comme ça. Mais la vice-présidente des États-Unis, oh y a l'élu Bazana Joe Biden, Azana noir. Secrétaire d'État à défense, donc ministre de défense aux États-Unis, Azana Mutumwindu. Mutumwindu, on les respecte partout, ils passent, on les respecte. On les regarde par la couleur de sa peau. Le chef de l'État l'a nommé ministre de la Défense. Tout le monde obéit. Et Zala Mounel, Zala Noir, Zala. Tant qu'on a une armée à Congo, tant qu'il y a Zako Leka, tu dois les saluer. Et tant que chef d'État-major, et plutôt ministre de la Défense, tu dois les saluer. Ministre de la Défense, c'est assez. Noir. Mais nous, preuve Kaka Katumbi à Meki. Pour notre total, ma Congolais n'a comme il a niveau ni. Tala Congolais à la kisike, azano na molimo à racisme. Oh non, papa, y'a bazo bombo cannabis. Bah, n'a zo bombo ka Congo. Qui te dit que papa y'a bazo bombo cannabis? Bato bazo bombo Congo, zabiso moko ba Congolais. C'est que vient de faire Félix Tshisekedi. Bon, moni mon paye moutasali ango. Oh, denika di masali na seni. Rwanda moutasali ango. Burundi moutasali makambu denika di masali na seni. Vous trouvez ça normal? Parce que Kadima, comme vous le dites, qu'il est père de mère, a nommé Bandekone Balouba na katia élection wana. Bon, moni ango normal? Bozo lela. Moutou azana couleur à pona yo. Congolais le kola yo de père de mère. Azoko nyo kola yo sous Congolais de père de mère. Tu trouves ça, c'est bien? C'est normal? Quand est-ce que Bisso a Congolais, toko longola moli mooyo, yako boya kabatu? Yete. Ou bien l'élection à Moïse Katumbi, si vous ne savez pas, ils allaient test pour la nation Congo. Ils allaient test. Le monde entier, baye komona, qui nous sommes? Nous sommes d'abord égoïstes. Nous ne voulons pas d'abord intégrer. Le monde ici, on intègre les gens. Surtout, et l'autre, dans son bandeau, et l'autre, ça, on a passé mingé za bana poto, bana diaspora. Yovani na poto, ozolo ba makamba de père et de mère. Ah! Na poto, yovani na poto, koli na poto, ozolo na mindele nenge bazako tchaba tu na misala. Mutumwinda komi chef d'entreprise, komi ministre, komi député. Na poto, tala mutu na premier ministre d'Angleterre lelo. Un indien. Papa, maman ba indien. Ye poka rabotama na Angleterre, lelo ye wana komi premier ministre na Angleterre. Le monde les a évolué. Biso na nubatu mwindu, tozano na molimo, yako miboya na nara biso na biso. Surtout biso wa Congolais. Le joueur là. Suko bo bengana yen équipe nationale. A bete le bino match ite. Hein? Ah! Vraiment. Tout évolué, mande konanga. Tout évolué. Il y a des gens qui ont des potentialités pour aider le Congo. Atmasé belé. Basan ba potentialité à makasi de savoir pour aider ce pays. Et soyez bozaka na molimo Félix Tshisekedi a planté go.
ça va être compliqué pour aider le pays. Parce que le test d'élection avec Katumbi, bato tout bazan na ba polo ko la Katumbi ba moni makambo bino ba kongole bo la kisi bango ami benda mi benda ni na bango ba ah mboka wana so oza po oza meti ba o considérer te ko za kongole ba benda ni na bango baza ba businessman baza bato batanga misu kutu ba yebi forma biloko ebele mais ndeka ba moni bo sali biloko kote Katumbi na disku bemba yaki na ngo na na yemoko chilombo ba benda ni na bango ba mboka wana pa c'est pas la peine. C'est pas la peine de te poumoner parce que si tu n'as pas la peau comme eux, ils te considèrent comme un étranger. Même si ton père est né là-bas, et ton père est de là-bas, ou ta mère est de là-bas, et pour eux, tu es toujours un étranger. Merci beaucoup, peuple congolais. Écoutez, Nabino, à la prochaine, n'est-ce pas, na édition Nabiso Moussousou, Bande Konangai, peuple congolais. Tout à l'heure et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bande Konangai. Ciao.